Alors, c'est pas fini, ce petit bras de fer, ce petit jeu avec les instances européennes. Nous, on met le paquet et je vais dire, mais pourquoi? Parce que le traité Euratom, pour moi, je suis très content que ce dossier-là, qui est très important, nous amène, nous, citoyens européens, à nous poser des questions sur ce traité qui nous lie ensemble. Ce traité pro-nucléaire, dans une Europe qui est en train de sortir du nucléaire, il y a un moment, il faut réfléchir, quoi. Où est-ce qu'on va? Il faut peut-être remettre les pendules à l'heure, là. Et c'est peut-être l'occasion de le faire. Parce que jusqu'à présent, moi, tous les parlementaires européens à qui j'ai posé la question avant ce dossier-là, sur Euratom, nous, ça fait longtemps qu'on tape sur Euratom. Eh bien, on n'a jamais pu bouger quelqu'un. Et là, tout d'un coup, on a un moyen de démontrer combien tout ça ne tient pas la route, hein, scientifiquement, et que ces gens-là, ils n'ont pas de légitimité. Et j'espère que ça va faire déboucher sur la remise en cause du traité Euratom. Alors, je suis très optimiste là, quand je dis ça, parce que. Vous pensez bien qu'au sein de l'Europe, il y en a qui veillent au grain pour qu'on ne change rien. Et nous sommes évidemment les premiers, nous là. Et comme vous savez qu'en Europe, tout se joue au marchandage, nos experts, alors on a des tas d'exemples avant, hein, nos experts dans ces instances-là, nos experts français, ils jouent un rôle colossal. Ils sont aux manettes de tout. Et c'est là que j'espère, je sais, parce que, en fait, ces experts, petit à petit, on arrive à savoir leur nom. Mais officiellement, on ne les connaît pas. Comment on arrive à savoir leur nom? C'est parce que ces experts, ils grenouillent partout. Ils vont dans les colloques, ils sont invités partout. Ils vont par EDF, par EMFA, évidemment, pour le lobby nucléaire, mais aussi. Ils sont invités à Djerba pour un colloque sur je ne sais pas quoi. Ils sont invités partout. Et évidemment, ils y vont. C'est leur vie, à ça. Hein. Ils mangent à tous les râteliers pro-nucléaire. C'est clair. Et de temps en temps, ils se vantent dans un petit papier. Je suis expert partout. Et du coup, avec Internet aujourd'hui, vous arrivez à retrouver. Sauf que ça ne nous dit pas exactement, parce que ces experts et tout, on a une chance, on entend, on n'a pas des certitudes sur qui réellement a pondu ça. Nous, c'est ces noms-là qu'on voudrait. Ceux qui ont rédigé le rapport 98, ceux qui, etc. Et là, il nous manque des dates. Donc, on ne sait pas tout. Mais nous, on voudrait que. Savoir comment ils ont, par qui ils ont été nommés. Parce que là, on a interrogé notre ministre de la Santé. C'est vous qui l'avez nommé notre représentant là-dedans. Ah non, 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 moi je suis pour rien. Hein. Mais à qui ils rendent des comptes? Pas à nous. C'est un expert, il est tout seul comme ça. Faire pour ça, c'est pas possible. Un expert, forcément, il a une mission, il a été nommé par quelqu'un avec en fonction de. D'un critère, et ils rendent des comptes. Et à qui ils rendent des comptes? Mais c'est ça qui est important. Sinon, c'est pas un expert. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir, et j'espère c'est que ça va faire bouger les lignes là-dessus. Alors, je voulais juste terminer. Quelles sont les leçons qu'il ferait de Tchernobyl ou de Fukushima? Qui ferait que les normes que l'on a appliquées en 86, elles n'étaient pas prudentes. Là, on le sait. Comme vous avez vu que celles-là, elles sont encore beaucoup moins prudentes. Ça voudrait dire qu'entre les deux, nos connaissances scientifiques ont évolué vers une surestimation du risque en 86. C'est-à-dire que on aurait surestimé les dangers de la radioactivité en 86 par rapport à 2015. On devrait considérer,
si ces normes-là étaient appliquées, qu'entre-temps, on a découvert que la radioactivité était moins dangereuse qu'on le pensait. Là, il y aurait une logique à trouver des chimiques. Or, c'est tout le contraire. Tout le contraire. En 1986, on avait des connaissances. Je ne vais pas vous balayer tout ça. Ceux qui seront là au stage demain, on aura l'occasion d'en parler. On avait des connaissances sur les effets sanitaires. Il y a eu Tchernobyl. Toutes les connaissances qui étaient en 1986, ça datait des essais nucléaires d'Hiroshima Nagasaki. Pas les essais nucléaires. Il y a eu des essais nucléaires aussi. Hein. Donc, nos connaissances sortaient des études d'Hiroshima Nagasaki, qui avaient déjà bien avancé en 1984. Hein. Aujourd'hui, elles ne sont pas terminées. Hein. On est en train de les reprendre actuellement. On s'aperçoit qu'on n'avait pas tout vu. Donc, nos connaissances sur Hiroshima Nagasaki ont évolué et continuent à évoluer, et où on a. On a toujours sous-estimé le risque, c'était le nombre de morts et de pathologies liées à la radioactivité à Hiroshima et Nagasaki. Parce que la cohorte des gens survivants d'Hiroshima et Nagasaki, vous avez à peu près encore quelques milliers de personnes qui sont vivantes. Et on continue à les suivre médicalement. Et on voit dans cette population qui a vécu Hiroshima et Nagasaki, il y a un excédent de cancer 70 ans après. Et que l'on peut corréler à Hiroshima et Nagasaki. Donc là, on a une cohorte qui est super intéressante. Il y avait 200 000 survivants, hein, irradiés, mais survivants. Eh bien, on les suit et ça nous a permis d'avoir un premier socle de connaissances. Mais avec Tchernobyl, arrive une autre forme de radioactivité. C'est on bouffe les becquerels. À Hiroshima et Nagasaki, on n'a pas mangé de becquerels, on s'est fait irradier. Mais il n'y avait pratiquement pas de radioactivité sur place. On n'a pas décontaminé Hiroshima et Nagasaki. Il n'y avait pas de radioactivité sur place. Presque pas. Presque pas. À Tchernobyl, c'est l'inverse. Pas d'explosion, pas de gros flash, d'une bombe. Mais au contraire, on bouffe des becquerels un peu tous les jours. Et là, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'autres pathologies. Alors, les cancers, les anomalies génétiques, les maladies cardiaques, les maladies immunitaires, etc., etc., etc. Et du coup, là, on est obligé de revoir un petit peu tout le modèle qu'on avait des effets des rayonnements ionisants. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y en a même qui en ont payé un lourd tribut, comme Yuri Vandavesky. Des scientifiques biélorusses comme Rosa Goncharova, comme Nesterenko, comme etc. Mais petit à petit, on arrive à démontrer que il y a des effets beaucoup plus importants. C'est-à-dire que pour le même nombre de morts considérés comme acceptables, on devrait baisser les nombres. Et c'est ce qu'on a fait quelque part en Europe, enfin dans le monde, pardon. À l'époque de Tchernobyl, la limite de dose pour le public qui aurait fait 5 morts pour 100, pas 6 morts pour 100 000, il fallait 5 millisieverts pour faire 6 morts pour 100 000. Les connaissances qui, entre les années 80 et 90, hein, 90, ont fait que la Commission internationale de protection radiologique a dit non. Pour faire le même nombre de morts, il faut une dose 10 fois plus faible. 10 fois. Donc il faut manger 10 fois moins de becquerels, ou recevoir 10 fois moins de doses pour que le même nombre de morts. Donc si on ne veut pas que ça fasse plus de morts, il faut diviser les limites par 10. Donc on aurait dû passer de 5 millisieverts à 0,5 millisieverts. Sauf que là, le lobby nucléaire est monté au créneau. Et il ne faut pas oublier que le lobby nucléaire après Tchernobyl, il s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où on décidait des choses importantes. En fait, il y avait un endroit, c'est la Commission internationale de protection radiologique, qui a été créée dans les années 30 par des médecins. Et comme ces médecins faisaient du bon travail, ça faisait avancer la connaissance et la réglementation évoluait dans le bon sens.
Et là, le lobby nucléaire a complètement infiltré la CIPER. Et aujourd'hui, on n'a plus rien à attendre de cette institution. Je suis désolé. Ils ont carrément infiltré le lobby nucléaire, EDF, Areva. Ce sont nos représentants. Et là, on entre. Et là, vous comprenez bien qu'eux, ils sont vite montés au créneau en disant passer de 5 à 0,5. Non, c'est inacceptable. Si on fait passer ça à 0,5, nous, notre industrie nucléaire, elle aura peut-être du mal à fonctionner en fonctionnement. Je ne parle pas d'accident, hein, en fonctionnement normal. On aura du mal à gérer les déchets, les transports, les. Non. Il faut appliquer un coefficient de réduction du risque. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de 5 à 0,5, on va passer de 5 à 1 décibel. Ce coefficient de réduction de 2, donc de remonter de 0,5 à 1, il sort d'un chapeau. Il n'y a rien scientifiquement qui permette de dire qu'il faut l'appliquer ce coefficient dans l'autre sens. N'empêche qu'il a été appliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 1 décibel. Mais avec des connaissances qui, en fait, vous direz qu'on les sous-estime, en fait. C'est-à-dire que si on tenait compte des connaissances des années 90, et pas d'aujourd'hui, avec un millisievert, ça ne fait pas 6 morts, mais 12 morts. Voilà où on est. Voilà toutes les arnaques qui sont faites au niveau de ce. Voilà comment travaillent ces experts. Vous voyez, la CRAM, on a du boulot. On a un labo, une chose, mais il y a tout ce travail qui est fait là, à côté, l'analyse de tous ces documents, et là, malheureusement, on est tout charlé. Heureusement qu'il y a nos adhérents qui nous suivent, qui nous mobilisent pour ça, qui nous soutiennent. Mais pourtant, il y a un enjeu extrêmement important là-dedans. Et je pense que cet enjeu, il faut que les gens le connaissent, parce que si on manquait d'arguments par rapport au nucléaire, là, il y en a des sacrés arguments, et ils sont bêtons, ceux-là. Pour qui nous prend-on? Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Je vais m'arrêter là parce que je dirais qu'il y a la place aux questions. J'ai cité Vandrovski, qui est tombé qu'il a eu en principe parce qu'il révélait donc, les conséquences de la contamination de la santé. Mais en France, moi j'ai lu des articles, parce que c'est avéré, les médecins donc, du sud de la France, de Corse, ont eu d'énormes ennuis parce qu'ils révélaient la corrélation entre la contamination de la Corse et le fait qu'il y ait une augmentation importante dans leur clientèle de pathologies pouvant être liées à la radioactivité. Alors oui, il y a un médecin en Corse, on connaît bien, il y en a plus de 50, il y a un médecin en Corse qui a eu des ennuis, c'est le docteur Fauconnier, Denis Fauconnier, qui exerçait en Valagne, donc dans le nord de la Corse, qui a été très touché par Tchernobyl. Et où, dans sa clientèle, lui, sa clientèle, c'était les bergers d'un village, dont j'ai parlé plusieurs fois. Et moi, si j'en parle, c'est parce que je les connais, je suis allé les voir avec lui. J'ai vu, alors c'était après, hein, évidemment, des gens qui avaient grandi. J'ai vu une fille, Angelica, je me souviens, qui a de gros problèmes de santé, plusieurs années après, hein, c'est pas mort, gros problèmes de rien. Et lui, ce qu'il voyait dans sa clientèle, lui, il ne connaissait rien. Il ne les a pas cherchés, il les a trouvés parce qu'il arrivait, il y avait des gamins qui arrivaient avec un coup qui avait doublé de volume. Ils avaient ce qu'on appelle des thyroïdites aiguës. Pour vous prendre ça, il faut en bouffer des becquerels, hein, c'est clair. Et donc lui, il a commencé à alerter. Il ne connaissait pas la CRAM, on n'existait pas d'ailleurs. Hein. On s'est créé juste après. Il a alerté le préfet, il a alerté l'ARS, à l'époque c'était l'ORS, il a alerté la DAS, il a alerté. Il a écrit au ministère, il a envoyé des échantillons pour analyse au CEA à Paris. Enfin bon. Et pour finir, bon, évidemment, il s'est fait traîner dans la boue. Traîner dans la boue. Écœuré, il est parti à La Réunion pendant une dizaine d'années. Et il est revenu. Mais pratiquement, il a pris sa retraite pour un mot. Il était une année ou deux de retraite. Sa fille a relevé un peu le flambeau, Sophie Fauconnier, elle est médecin aussi, et elle a fait une thèse, elle voulait faire une thèse là-dessus, sur les pathologies thyroïdiennes en Corse. Merci. Sérieux, hein? Ah, c'est elle est tombée là-dedans, quoi. Je veux dire,
faire une thèse de médecine bidon et dit, là, il y a un excellent sujet. Sauf que, bah, évidemment, son papa l'a aidé, évidemment, pour ça, mais sauf que, eh bien, on lui a fait comprendre très rapidement que ce n'était pas un bon sujet. Elle a insisté, elle voulait, étudier l'augmentation des pathologies thyroïdiennes encore suite à Tchernobyl. Elle avait préparé tout un questionnaire, elle avait la clientèle de son papa qui est là, à disposition, un excellent sujet, quoi. Sauf qu'on lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Alors, elle a dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut choisir un thème qui ne soit pas... Tu veux faire un sujet là-dessus, sur les thyroïdes encore? Bon, ok, d'accord. Bon, on peut comprendre. Mais il faut tourner le sujet pour que ça passe. Quelque chose qu'on ne puisse pas t'accuser de je ne sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qui serait possible? Eh bien, elle réfléchit avec son ami Denis, son papa. C'est des amis, hein, on les connaît bien, je vais souvent chez eux en Corse. Et pour finir, elle dit, ben, on pourrait travailler sur quelle est la dimension du nodule thyroïdien au moment où on pose le diagnostic cancer. Pourquoi ça, ce ne serait pas polémique? Parce que les médecins, eux, sont persuadés d'une chose, c'est que si on voit plus de cancers de la thyroïde, c'est parce qu'on les cherche, alors qu'avant, on ne les cherchait pas, donc ils n'existaient pas, on les trouvait pas. Pas de problème. Hein. Et non, comme ce discours-là, on les cherche, donc on les trouve. Et de plus en plus petit. Pas de bol. Ils ont toujours la même diamètre, la même dimension. Ce qui veut dire que, au moment où on pose le diagnostic, on est au même stade. Et donc, si on en voit plus, c'est qu'il y en a plus. Ce n'est pas l'outil qui permet de... Alors évidemment, quand elle a fini sa thèse et qu'elle a voulu la présenter, alors là, son patron de thèse, on va rechercher son nom, c'est un compte de la médecine évidemment, il dit, voilà, c'est une catastrophe, moi j'ai la support. Il a voulu la laisser tomber, la veille de sa présentation. Alors là, elle était catastrophée, là. Elle nous appelle avec Iran, qu'est-ce que je peux faire? Et Denis, son papa. Du coup, on a fait un courrier à son patron en lui disant, écoutez, si vous faites ça, nous, la CRAD, on le fait savoir et on convoque les médias. Du coup, elle a eu sa thèse avec le minimum, évidemment. Elle sait ce qu'elle voulait. Mais sa thèse, du coup, vous pouvez la trouver sur Internet si vous êtes curieux. Sophie Fauconnier, thèse, médecine, etc. Alors, c'est comme une thèse, ça ne se lit pas comme un roman. N'empêche que la conclusion est très importante pour dénoncer le mensonge. Mais n'empêche que malgré cette thèse, les médecins continuent de raconter la même chose. Cette thèse, elle l'a présentée il y a 4 ou 5 ans, c'était en 2010, je crois. Parce qu'elle l'a fait très tardivement, sa thèse. Elle exerce comme médecin déjà depuis plus de 10 ans près de Grenoble. Voilà. L'année prochaine, il y aura 30 ans Tchernobyl. Et dans les Vosges, le massif des Vosges en particulier, on a dit que les champignons, tout ça avait été atteint. Donc est-ce que il y a dans les annales des patients, en particulier de la région montagne vosgienne, sur l'iode et sur les. Aujourd'hui, l'iode, on n'a plus là. Oui. C'est plus l'iode aujourd'hui, c'est le césium 137. Donc, le césium, est-ce que il n'y a pas. Est-ce qu'on peut faire des prévisions sur ce que ça risque de donner comme conséquence catastrophique? Sur l'évolution de la contamination des champignons, on la suit année par année pour des espèces. Même espèce, on la suit depuis 88. Deux espèces, donc c'est le bolet B et la chanterelle, dans la forêt de Strasbourg, où
Hugo. Médor. C'est tout près de Strasbourg, là. Et donc, la ville de Strasbourg, j'en parlais, la ville de Strasbourg, la ville de Strasbourg nous fait faire des analyses toutes les années depuis cette époque-là. Et on voit très bien l'évolution dans le temps. Nous sommes bientôt 30 ans après. On voit très bien, à partir de 88, on n'a pas 86, 87. Désolé, on n'a pas. 88, on voit la contamination qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'en 90, 91. Et puis qui redescend, qui redescend. Sauf qu'aujourd'hui, on est là, et c'est toujours pas à zéro. C'est-à-dire que, non, c'est une. Oh, évolue lentement vers le bas, mais très lentement. Ça a monté rapidement en 2 ans, 3 ans, hein, puisque 80, entre 88 et 90, donc oui, 2-3 ans, hein, on est monté au maximum, et puis ça redescend très lentement. Alors comment expliquer ça? On est monté, évidemment, à quelques milliers de becquerels par kilo. Aujourd'hui, on était une centaine de becquerels par kilo. Donc, on n'est pas revenu à zéro, hein, c'est 100 becquerels par kilo. Et l'évolution, on l'a bien étudiée sur les champignons. On a vu qu'il y avait différentes espèces, concentrées et pas d'autres. Et sur certains champignons, on n'a jamais trouvé de la contamination. Les champignons de pré, en gros, tant mieux. Par contre, globalement, les champignons forestiers sont toujours beaucoup plus contaminés. Et dans les espèces les plus contaminées, eh bien, il y a les chanterelles, les trompettes de mort, les volées, celle de Bordeaux, c'est ceux-là. Évidemment, c'est les meilleurs. Hein. Et donc, avec des contaminations qui sont encore bien marquées aujourd'hui. On a encore quelquefois des champignons qui dépassent les 600 becquerels par kilo aujourd'hui. Alors, après, vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Si j'en mange, vous allez me dire, c'est combien vous en mangez? Combien de fois dans l'année? Est-ce que vous êtes un gros mangeur de champignons? Parce que là, c'est très variable. Il y a des gens qui me disent, ah, mais je mange des champignons. Ben oui, tout le monde mange plus ou moins des champignons une fois de temps en temps. Si j'ai des champignons de Paris, on n'en parle pas. Mais des champignons de cueillette, ça dépend de combien de fois, c'est-à-dire combien de kilos vous allez manger. Si c'est... Moi, je ramasse des champignons, je les mange. Et moi, je suis très petit consommateur. J'en mange une ou deux fois quand je vais en montagne l'été en Haute-Savoie. Je viens de faire une petite omelette au champagne. J'en mange un petit peu à l'automne les trompettes de mort dans la Drôme, mais je me limite à... Oh, allez, je vais dire... maximum 1 kg dans l'année. 1 kg, ça fait pas mal. Hein. Oui, ça fait déjà pas mal. Non, mais ça fait... Et vous avez constaté... J'ai fait les calculs, et vous pouvez les faire, comme moi, que si vous en mangez raisonnablement, entre guillemets, le risque que vous pouvez calculer, parce qu'on peut le calculer, là, dire, ça fait des becquerels, donc ça fait des micro-sieverts. Pas des milliers, hein, des micros. On est devant ce qu'on appelle des... dans l'échelle de risque, on est en anglais dans le trivial risk, c'est-à-dire le risque trivial, le banal. On est très loin du risque avéré, comme on a fait tout à l'heure, on sait que ça fait des morts. Maintenant, chacun choisit. Hein. On est... moi, je ne vais pas manger des becquerels de césium de Tchernobyl, j'en ai pas envie. Pour vous, pour vos enfants. Très bien, hein, moi je considère que c'est pas idiot. En même temps, je me dis, moi, les champignons, je trouve ça, les chanterelles et les trompettes de mort, pour moi, c'est un régal. Quand on pense aussi à tous les scanners qu'on doit passer, alors là, ça rajoute ou... Absolument. Là, c'est la médecine utilise les rayonnements ionisants, dans ce cas-là, c'est hors réglementation. La médecine n'a pas de limite. Le médecin qui vous prescrit des examens, il n'est pas soumis à une limite. Lui, il ne sait pas souvent. J'ai passé le certificat pulmonaire, il ne savait pas, c'est moi qui lui ai appris ce que vous m'avez appris par Internet. Il ne savait pas. Non, mais les médecins sont très très mal formés. Mais les techniciens, vous allez chercher un autre technicien pour faire le calcul, ils ne savent pas. Si j'ai eu un mot au téléphone, j'ai reçu de Nancy, j'ai le radiophysicien.
Le radiophysicien, normalement, il sait faire. J'ai du mal à avoir les chiffres. Filet de formation récent. Si c'est un vieux radiophysicien, il ne saura pas faire. Alors, c'est vrai qu'en médecine, ici, vous êtes montré du doigt, et puis là. Je parle de Nancy. Ouais. Mais là, on est horrifié parce qu'on ne sait pas, on se laisse faire. Non, mais je suis désolé qu'on vous manque du doigt épinal comme il y a bien d'autres endroits. Oui, il y en a eu. Mais alors là, quand on a ça, ben, ça s'accumule, je dis alors. Non, ça ne s'accumule pas. Quand, non, ce qui. Fais attention aux mots qu'on utilise. Quand on reçoit une dose de radiation en médecine, on n'est pas radioactif, il s'agit de rayons, des rayons, c'est-à-dire de radio ou de scanner. Par contre, si vous faites une scintille, voilà, là vous êtes radioactif et vous posez un problème pour l'environnement. Après, quels sont les dégâts dans le corps? Les dégâts dus au rayonnement, externe ou interne. Ces dégâts, eux, effectivement, ne se réparent pas. Ils s'accumulent dans le corps. C'est les dégâts, ce n'est pas la radioactivité. Et évidemment, plus vous allez augmenter la dose, plus vous allez augmenter le risque de développer une pathologie liée au rayonnement ionisant. C'est là. On est dans ce qu'on appelle une augmentation du risque. Mais on n'est pas comme dans la chimie où on vous dit que dans la chimie, c'est la dose qui fait le poison. En gros, si vous êtes en dessous d'une certaine limite en chimie, on dit vous n'êtes pas mort, terminé. Vous en êtes sorti, quoi. C'est fini. Mon avis, c'est faux. C'est la thèse de la chimie. C'est la dose qui fait le poison. En radioactivité, il y a une relation entre l'effet et la dose qui part de zéro. Si vous savez zéro dose, zéro effet. C'est clair. Mais à partir où vous commencez une toute petite dose, l'effet commence. Le risque commence. Enfin, qui s'exprime mort, qui ne s'exprimera pas, mais le risque commence. Le risque de développer une pathologie. C'est pour ça qu'on ne rigole pas avec ces trucs-là. Alors évidemment, tout le monde, les membres du monde médical et les gens du clair, vous ressortent les thèses que l'on sortait dans les années 50. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'effet. En fait, il y avait un seuil en dessous duquel on n'a rien vu, donc il n'y a rien. Ce qui est l'idiotie même en science. En science, on ne dira jamais. Là que des gens se permettent de dire « je n'ai rien vu, donc il n'y a rien », c'est une ineptie scientifique. Je vous la sors encore aujourd'hui. Or, ça c'est faux. Depuis 1990, c'est écrit en toutes lettres, la relation entre dose et effet est linéaire, c'est-à-dire elle part de zéro. Linéaire. Ça, il faut s'y accrocher à tout ça, parce que ça, c'est une arme, je dirais, par rapport à tous ces menteurs. Parce que la science, elle ne dit pas qu'il y a un seuil, au contraire, elle dit c'est la relation linéaire. On n'a jamais trouvé le seuil, donc ça veut dire que ça va au zéro. Je suis désolé. Alors, est-ce que ça y va sous forme d'une droite bien droite? Non, évidemment. Et la seule chose dont on soit certain, c'est que zéro dose égale zéro effet. Il y avait quelqu'un d'autre? Je me rappelle dans les années 90, 93 à peu près, il y avait des fois des années de beaucoup de champignons. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou c'était là ça... Bon, pour moi, je suis pas spécialiste, hein, mais la poussée des champignons n'a absolument, ni leur forme, ni leur truc comme ça, n'a absolument rien à voir avec la radioactivité. Il y a des gens qui me disent « Ah, l'année 86, c'est Tchernobyl. Oh là là, les champignons !» Alors, effectivement, le dépôt direct sur la corolle du champignon, il y en a eu comme sur le sol. Et c'était le dépôt direct. C'est par ça qu'il a posé le problème. C'est la reconcentration, c'est l'éponge qu'est le champignon qui refixe la radioactivité qui est dans le sol. Sauf qu'en 86, elle n'était pas dans le sol, elle était à la surface. Alors qu'après, il y a eu des années avec beaucoup de champignons, mais ça, c'est les conditions climatiques d'abord qui ont fait que... Les champignons, c'est extrêmement complexe. Moi, je ne vais pas me lancer à dire qu'est-ce qui fait que le champignon a poussé beaucoup plus cette année-là, pourquoi il était plus gros, pourquoi il était plus petit, pourquoi... Mais ça, je
je ne sais pas. Mais là, si on voulait invoquer un aspect radioactivité, il faudrait imaginer un effet génétique. Ça. Déjà, le champignon est beaucoup plus complexe qu'un système unicellulaire du type arbre ou feuille, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Là, je ne connais pas. Et on n'a pas étudié, hein, mais pour arriver à des effets de ce type-là, sur des espèces aussi simples, génétiquement simples, il faut des doses importantes. Ça, on le voit très bien au labo. Mais si vous voulez faire muter des... On fait aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle de la transgénèse, la mutagénèse, hein, puisque... Les Français, ils sont cons, ils ne veulent pas des OGM. Donc on va leur refiler des OGM, mais sans gènes extérieurs. Ce ne seront pas des OGM, également. En gros, c'est la même chose. On fait muter les gènes à l'intérieur. Comment on les fait muter? En les bombardant. C'est une des techniques. Et bien, la mutagénèse... On voit que pour faire muter des grains de blé, des trucs comme ça, il faut leur balancer la bonne dose. Hein. On est loin, je dirais, des doses dont on parle là. Hein. J'ai une autre question. Vous avez parlé des liquidateurs russes, hein, c'était au moment de la Grande Russie, de Russie disciplinaire. L'URSS. Oui. Et les Japonais, c'est quand même un peuple aussi qui sont très, très... discipliné. Comment vous voyez ça en France le jour où il y a un accident? Alors là, je vous renvoie à un ami belge, Alain Dehalleux, qui connaissent, qui est un réalisateur de films. Et Alain Dehalleux qui a fait plusieurs documentaires, dont Tchernobyl Forever, RAS, Nucléaire RAS, dont Récit de Fukushima, qui est formidable. Et il s'est d'abord fait la main, lui, en tant que simple citoyen, sur Internet, sur un site qui s'appelle Antoine Citoyen. Antoine Citoyen. C'est lui, en fait, Alain Dehalleux. Et qui s'est amusé à faire des petites vidéos. Alors, ça se passe juste en Belgique de l'autre côté, mais ça pourrait se passer chez nous. Et il est dans la rue et il interroge les gens. Il a une feuille avec un registre. Des volontaires pour aller éteindre l'incendie ou la catastrophe de la centrale de Tihange qui est juste de ce côté-là. Oui. Vous avez vu ça, ces trucs-là, non? Ben, c'est rigolo, quoi. On voit bien les gens... Quand vous leur demandez s'ils seront volontaires pour aller... Vous êtes front nucléaire, madame, hein? S'il y a un problème, là, il va falloir y aller, hein? Eh bien, il y a le registre, est ouvert. Vous inscrire. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, il n'avait pas rempli sa feuille. Hein. Alors, dans ces cas-là, je ne sais pas qui interviendra, honnêtement, parce que quand vous interrogez les responsables officiels, tout le monde se renvoie la balle. L'armée dit nous, on va faire le service d'ordre, la paix, le service d'ordre. Etc., etc. Les pompiers, ah non, nous, à l'intérieur de la centrale, honnêtement, je ne sais pas. Alors, ça, le numéro de Science et Vie, il y a un an ou deux, il y a eu un bel article justement là-dessus. Et donc, il y a tout un groupe de environ 500 personnes, donc des gens de chez EDF, qui sont prévus d'intervenir sur les sites, enfin, sur le site dans lequel il y aura un accident. Tu parles de la force d'action rapide nucléaire, la FARM. Ouais, comme ça, c'est un truc qui est... Alors ça, c'est pas... oui, il a été créé... À la suite de Fukushima, il y a eu quand même des choses qui sont passées au niveau de nos réacteurs nucléaires. Enfin, l'autorité de sûreté nucléaire a réfléchi en disant, bon, quel a été le problème à Fukushima? Le réacteur s'est arrêté avec le séisme. Par contre, il a été inondé avec le tsunami. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est refroidir. Et pour refroidir, il faut de l'eau et un peu d'électricité. Comme le réacteur est arrêté, il ne produit plus, donc il faut une source électrique.
manque de bol, ils avaient foutu les groupes électrogènes dans des fosses, donc ils baignaient dans la flotte. Pas question de pouvoir les utiliser. Oui, d'accord, bon. Sauf que, à 2 km à l'intérieur, même pas, le réseau fonctionnait. Il y avait de l'électricité. Et puis, ça existe, les hélicoptères au Japon, on peut en amener un rapidement, il suffit d'une heure à la base. Il faut quelques kilowattheures pour faire tourner des pompes, circuler de l'eau. Nous sommes au bord de la mer. Ah ben tiens, il y a justement plein d'eau là. Elle est froide, elle va refroidir. Sauf que, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le côté électricité, pourquoi ils n'ont pas tiré une ligne, pourquoi ils n'ont pas amené un groupe, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ne voulaient pas utiliser de l'eau de mer, pour mettre dans leur réacteur, parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient les redémarrer. Si vous mettez de l'eau de mer dans un circuit comme ça, vous tournez tout. Donc, ce qu'ils n'ont pas fait, les Japonais, c'est la grosse connerie. C'est de ne pas avoir pris au sérieux le fait que ça pouvait péter, qu'il fallait assurer ce refroidissement. Et ça, je ne comprends pas, parce que c'est le béaba, je dirais, du nucléaire. Après, ils sont disciplinés, les Japonais, mais en même temps, un peu comme à l'époque de la Russie, ils ont le côté aussi du sens du sacrifice, du kamikaze. Mais bon, on n'est plus au temps de la guerre et de l'empereur. Les jeunes Japonais, ils ont peut-être moins envie de se sacrifier aussi. quand on en est dans la situation où ils se sont mis maintenant, c'est-à-dire où les cœurs, on les a perdus, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas rentrer. Tchernobyl, c'était le ventre ouvert, mais les réacteurs étaient là, en feu, et en train de fondre, à travers la première dalle. Ils n'ont pas arrêté que ça traverse, ils n'ont pas attendu que ça traverse la dalle. Ils sont allés, ils ont fait venir les mineurs de Donetsk, qui ont gratté. En quelques heures, ils ont fait une galerie sous le réacteur, et ils ont congelé la dalle dessus. D'accord, il s'est arrêté. Hein. Les autres, par-dessus, ils balançaient du sable, du grume, etc., comme la Sirenko, en son hélico, etc. Ils ont mis des moyens incroyables. Alors, évidemment, maintenant, aujourd'hui, au Japon, qu'est-ce que peut faire TEPCO? À partir du moment où ils ont fait ces conneries-là, ça, c'est une vraie connerie. En plus, ce que j'ai appris bien après, c'est qu'il y a 6 réacteurs à Fukushima. Il y en a 4 au bord de l'eau et 2 sur la colline. Ah ben en fait, les 4 au bord de l'eau, ils ont rasé la colline pour les mettre au niveau de l'eau. Bon, donc tout ça fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés devant l'irréversible. C'est-à-dire des cœurs en perdition, auxquels on ne peut plus s'approcher, et on est condamné, comme les Shadok, à pomper de l'eau, à la rejeter, à la pomper, à la rejeter, et on a toujours de l'eau contaminée. Ils en sont à pratiquement 1000 citernes de 1000 mètres cubes chacune d'eau contaminée. Et là, on commence à se dire, jusqu'où on va aller? Ah ben, on va ouvrir le robinet. Ça va partir à la mer. Oui. Qu'est-ce qu'on a foutu? Moi, quand je vois ça, c'est incroyable. Alors, en gros, ça, il paraît, c'est la mentalité japonaise. Alors, tu me diras si je suis pas à côté de la plaque, mais qu'en gros, il faut faire quelque chose. N'importe quoi, mais il faut faire quelque chose. Alors, effectivement, ils font. Ils construisent des cubes. Ils font des tas de sacs de plastique avec des déchets dedans. Ils font de la décontamination là. Et puis ça se déplace là, et puis ils reviennent là, et puis etc. Bon, on pourrait en rigoler, sauf que c'est pas le bon. Voilà. Alors je sais pas si tu as des choses à. Bah, c'était juste pour l'eau contaminée, effectivement. Ils ont déjà commencé à la reverser dans l'océan. Ils ont déjà mis 850 tonnes. Ils ont commencé depuis. Ils n'avaient jamais fait, mais là ils ont commencé.
Les pêcheurs ont accepté, apparemment. Il y a eu un deal avec les pêcheurs. Voilà, ils étaient opposés, les pêcheurs étaient évidemment farouchement opposés. Parce qu'il en sort de toute façon de l'eau déjà directement dans l'océan. Mais là, c'était. C'est moi qui ouvre le robinet, quoi. Alors moi, au début, on m'a dit c'est de l'eau faiblement contaminée. Mais j'arrivais pas à savoir les chiffres. Faiblement contaminée, c'est subjectif. Non, mais dans les fûts. Oui, non, c'est d'accord. Alors, il y a eu une cuve qui a fui l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant. Il y a une cuve qui a fui. Bon, ça fait l'objet d'un petit communiqué. Et à cette occasion-là, on a eu un chiffre du débit de dos de la flaque qui avait coulé. Ah, enfin un chiffre. Le débit d'eau d'une flaque. Quand j'ai vu les chiffres, c'est crenard. C'est pas de l'eau faiblement contaminée. Quand on a ces chiffres de débit d'eau sur une flaque d'eau, pas sur une cuve, sur une flaque d'eau, c'est qu'elle est vachement contaminée. Donc, alors évidemment, j'ai pas le chiffre, hein, mais indirectement, voilà, indirectement, on arrive à savoir que est-ce que les réacteurs produisent toujours des neutrons? Les neutrons, ils produisent de la radioactivité, ça c'est sûr, puisqu'on la retrouve. Par contre, est-ce qu'il y a encore des réactions de fission qui produisent des neutrons, qui produisent donc de la fission, etc. Et jusqu'à quand il y a encore de la matière combustible? Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose de fissile là-dedans? C'est une question, ça, quand même. À Tchernobyl, par exemple, pratiquement plus rien. On n'a pratiquement plus de fission dans les cendres du réacteur qui est sous le sarcophage. Donc on se pose la question, moi je pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une grande arche qui va recouvrir tout ça? C'est une question. Moi j'aimerais savoir si c'est justifié. En tout cas, nous on ramasse la monnaie, puisque c'est nous qui construisons la grande arche, à 1,5 milliard d'euros. Cocorico, nous sommes, Louis Vinci s'est associé avec un... a officiellement créé une société là-bas, pardon, qui s'appelle Novarca, qui est chargée de construire tout ça. Mais nous ramassons la monnaie qui a été payée par l'Europe. Non, pas nous, Zwig. Pardon. Pas Zwig, nous. Pas nous. Pas nous, Zwig. Ramasse ah oui, pardon, je me mets en tant que français. Je ne dirais pas que Martin est mon copain. Mais, et donc, j'en étais où là, sur la fission à Fukushima? La grande arche, oui, ben oui, la grande arche, on ne sait pas à quoi ça sert. Hein. Si ce n'est un préservatif, et que les Ukrainiens ne voient pas bien d'un bon oeil, parce que pour eux, il y a le symbole de cette cheminée au-dessus du sarcophage, vous voyez, et qu'on va être obligé de raser, évidemment, si on veut faire rentrer la grande arche, on va raser la cheminée. Et pour les Ukrainiens, c'est un peu le symbole de Tchernobyl qui est là derrière, qu'on est en train de cacher. Bon. Là-bas, au Japon, donc, y a un indice qui est intéressant, c'est quel est le flux neutronique produit par les cœurs de réacteurs. Et là, il y a des capteurs en surface, et quand vous cherchez sur les mesures qui sont faites, vous arrivez à trouver des chiffres. Hein. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur justement ces relevés de capteurs neutroniques qui sont en surface. Ça, c'est intéressant. Les débits d'eau, on sait que ça crache partout, sur le site, bon, ouais, ça, c'est banal. Là, la mesure du flux neutronique, c'est intéressant, parce que ça montre que les cœurs, est-ce qu'ils vont vers un arrêt à froid, c'est-à-dire chimique, hein, ou est-ce qu'ils y vont par... ou est-ce qu'ils y vont en... au contraire, en augmentant. Et là, c'est plutôt du... la dentine, quoi. Ça veut dire que ces cœurs ne sont pas calmés, quoi. Il y a toujours des réactions de fission qui ont tendance à remonter, puis ça redescend, ça oscille, et ça ne descend pas vraiment. Si ça allait vraiment vers le zéro, je dirais que c'est plutôt rassurant. Là, ça n'y va pas vraiment, donc pour moi, je ne suis pas rassuré. Ça veut dire que ça peut repartir. Et il y a d'autres preuves, c'est la présence d'iode de 131, qu'on retrouve encore dans des bouts de stations d'épuration en 2015. Donc,
comme ça, une période de 8 jours. C'est clair qu'il s'est produit il n'y a pas longtemps. Mmh. Donc il y a des réactions de fission. Donc il y a un accord complexe. Est-ce qu'on sait à partir de quand ils ont été chargés en combustible, le réacteur? Combien de temps avant la catastrophe? Ah, je ne sais pas. Est-ce que des cœurs étaient neufs ou pas? Ouais. Alors, ils n'étaient pas neufs, c'est sûr, de la veille. Par contre, je ne sais pas. Est-ce que tu as des chiffres sur... Est-ce que... Pour le réacteur numéro 3, qui était le seul qui était chargé au MOX, oui. Il a été chargé en octobre 2010. Donc, il avait 6 mois. Voilà. Mais quand on les recharge, on ne recharge qu'un tiers. Bon, c'est par tiers qu'on recharge. On en enlève un tiers, on remet un tiers. Et on repanache l'intérieur. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'on pourrait y faire, puisqu'il y a de l'eau, on ne peut pas les fermer avec du béton comme ça a été fermé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Parce qu'à priori, ce que font les Japonais, ça donne rien. C'est une étude. On est devant le scénario totalement inconnu. Par définition inconnu. Ce qu'on a à faire, à un moment donné, le syndrome chinois, c'est-à-dire un cœur qui perce la cuve. Il perce la cuve, oui, ça, c'est sûr qu'il l'a percé. Qui perce le béton et qui rentre dans le sol. Et là, pour moi, si on va vers le scénario, le vrai catastrophe, c'est quand ce cœur. S'il continue à descendre, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se passe. S'il continue à descendre, à un moment, il va traverser le béton. Tant qu'il est dans le béton, s'il arrive dans la nappe phréatique et dessous, là, vous avez des conditions différentes. Des conditions neutroniques. Et des conditions physiques différentes. Et là, il y a le scénario possible. Qui est de dire, on repart en réaction nucléaire, en divergence, c'est ce qu'on appelle. En excursion nucléaire, ça s'appelle. J'aime bien le faire. En excursion nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication neutronique. Pourquoi? Parce que là, on a de l'eau qui est sous des conditions qui sont différentes de l'eau qu'on met pour refroidir. Il y a de l'eau sous des pressions, puisqu'on est sous ça, donc la pression. Fait que l'eau ne va pas se vaporiser. Si vous chauffez de l'eau avec des pressions qui sont faibles, ça va être la vapeur d'eau. Et bien la vapeur d'eau, d'accord, mais ça ralentit, ça crée ce qu'on appelle un coefficient de vide positif, dans les termes aussi, hein, vous en respirez, un coefficient de vide positif qui ralentit la réaction nucléaire si on produit de la vapeur d'eau. Du coup, ça se régule un petit peu. À mon avis, c'est ce qui se passe. Ça produit des bulles de vapeur, ça se ralentit. Et puis ces vapeurs se recondensent, et puis ça remonte, etc. Si vous êtes dans la nappe phréatique, vous n'avez plus ce coefficient de vide positif, puisque vous êtes sous pression. Là, c'est le scénario extrême pour moi. Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, et je me garde bien de faire des pronostics. Oui. Pour l'instant, oui. Pardon, excusez-moi, il y a une question au fond. Hier, ils en ont parlé à l'émission de France Inter. Ils expliquaient par la conclusion, je l'ai trouvé horrible, c'était de dire que pire que le nucléaire, c'était l'intervention du peuple. Voilà, je fais ça dans la nature et dans la alors bon, enfin, la conclusion, on va la laisser de côté. Moi, ma question, c'était plutôt comment on peut expliquer ça justement. Est-ce que c'est une idée. La population animale a l'air voilà, très bien, la forêt est luxuriante, tout semble baigné. Où est le mai? Quel est le mai? Il y a un gros malaise par rapport à ce film qui s'appelle Tchernobyl, une histoire naturelle, qui a été fait par Luc Riolon, c'est un réalisateur français, qui est allé là-bas il y a à peu près 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, quand il a été allé faire son tour.
Il m'avait contacté à la CIRAD. Moi, je vais aller là-bas. Vous voulez que vous preniez un compteur. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah non, on va aller faire un reportage sur la nature. Ah, attention, ce que vous faites là, c'est problématique. Parce que vous allez filmer, mais c'est quoi le commentaire que vous allez faire? Ah, mais on a des spécialistes avec nous, de biologie, machin, d'accord. Dis-moi, je pense que c'est risqué ce que vous faites, parce que le message risque d'être troublant. Et puis, je n'ai jamais entendu parler de lui, et son documentaire est sorti. Et évidemment, c'est ce que je pensais. Je lui en veux, c'est d'avoir mis mon nom pour me remercier de lui avoir prêté un compteur à la fin du film. Ben oui. Alors, c'est vrai que j'ai cherché à le revoir, mais j'ai jamais pu le revoir. Il a refusé de le voir. Et puis là, il ressort hier. Alors, est-ce que c'est un hasard? Hier, il y a eu la nomination au prix Nobel de Alexandra Alexievitch. Et en même temps, une publication, une étude sur cette forêt. Et du coup, France Inter a reparlé de ce documentaire. Ils ont fait venir Luc Riolon, qui est revenu, etc. Alors, j'ai pas entendu l'émission de France Inter. Je peux la réécouter. Moi, c'est ce que j'en ai raconté. Hier, j'étais en Jura, là-bas. Alors, pour moi, il y a un vrai... Effectivement, tous les gens qui ont vu ce film ont un malaise. Et qu'ils soient pro-nucléaire ou anti-nucléaire, hein, d'ailleurs, ont un malaise. Parce que, et c'est ce que j'avais soulevé, moi, comme difficulté, c'est vous allez filmer, vous allez faire des images d'une nature que vous ne connaissiez pas avant. Vous n'avez pas le avant et le après. Déjà, c'est embêtant. Mais en plus, vous allez faire des images. Ces images, il va falloir les interpréter. Ah ben, les arbres ont des feuilles, donc tout va bien. Sauf qu'il faut les voir, les feuilles. Est-ce qu'elles sont bien correctes, les feuilles? Elles sont pas un petit peu différentes. Ce qui est le cas, malheureusement. Vous allez voir, tiens, où il y a un cerf qui passe là-bas. Tout va bien. Mais est-ce qu'il habite là? Est-ce qu'il ne vient pas de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, des animaux sauvages dans ces espaces-là, où l'homme, effectivement, a déserté ces grands espaces. Et ils se baladent, et ils sont en liberté totale. Quand l'homme est là et occupe des espaces, leur espace à eux est restreint, et là, tout d'un coup, c'est le grand espace. Donc, c'est extrêmement trompeur. Alors, moi, j'ai su après qu'il y a des études sur lesquelles, il y a deux études, sur lesquelles ils n'ont pas voulu s'appuyer ou ils n'ont pas utilisé, parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites, des études scientifiques sur ce point. À part des trucs comme ça, comme le dernier truc, apparemment, ils ont fait des comptages d'animaux en hélicoptère. Désolé, moi, c'est pas une étude scientifique. Alors moi, je connais deux études scientifiques qui ont été faites. Une faite par des Anglais sur les hirondelles de Tchernobyl. Ah, voilà. Effectivement, il n'y a plus d'hirondelles dans la forêt de Tchernobyl. Là, ce serait intéressant de voir les hirondelles avant, pour s'apercevoir qu'il n'y en avait plus après. Comme là, vous ne les voyez pas dans le film, vous dites, ben tiens, il n'y a pas d'hirondelles. Vous n'y avez pas pensé qu'il n'y avait plus d'hirondelles. Vous n'y avez pas pensé, ben non, parce qu'on ne pense pas à tout quand on regarde. Sauf que les hirondelles, il n'y en a plus. Ah, on dit, oui, mais alors, est-ce que c'est la radioactivité? Ou est-ce que... Je ne sais pas. Et là, les scientifiques, évidemment, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont cherché par quel procédé, par quel mécanisme, ces hirondelles ont disparu. Et ils ont découvert que ça venait du nombre d'albinos qui a progressivement grimpé chez les hirondelles. Les albinos étant infertiles, pratiquement infertiles, la population a disparu. Ah, ok, je vois toujours pas la radioactivité. Ah, si, génétique. Albino génétique. Et là, ils ont pu reproduire
ils ont pu, je ne suis pas spécialiste, moi, mais ils ont pu démontrer que l'effet génétique des radiations avait fait monter le taux d'albinos qui avait mené la disparition des hommes. Ce n'est pas une mort directe. Ça, c'est du travail scientifique. Ça, c'est du cerveau. On n'en parle pas. L'autre truc, et ça, moi, je ne suis pas allé, moi, dans la forêt de Tchernobyl, mais il y a le technicien d'Akira, il est allé une fois, il était revenu, et ça m'avait très intrigué ce qu'il m'avait raconté. Il m'avait dit, quand tu as un arbre mort par terre, tu n'as pas intérêt à donner un coup de pied dedans, tu vas te faire mal. Il est fossilisé. Il ne se décompose plus. Ah, tiens. Et ça, ça a été présenté, ça a été confirmé depuis, au colloque de Genève, sur génétique et nucléaire, par Mousseau et... Comment il s'appelle ? Timothy Mousseau. Et, où on montre clairement que les micro-organismes qui sont chargés de la décomposition du bois, et qui sont donc dans le cycle de la forêt, décomposition du bois, humus, arbre, feuille, machin, tout classique, il y a un chaînon qui manque là. Hein. Alors évidemment, dans un premier temps, il y a une masse d'humus dans la forêt, les arbres continuent à pousser, et on dit, bah, tout va bien. Sauf que, dans quelques années, il est certain, là le cycle est rompu. Mais évidemment, tout ne s'écroule pas d'un seul coup. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi dans ces zones, alors que là, on va dans des zones où ben, la forêt se décompose et se renaît. Et là, donc, ils ont essayé de reproduire en laboratoire pour voir qu'il y a des micro-organismes là qui sont très sensibles à la radioactivité et qu'on n'imaginait pas. Parce que globalement, je vais finir là-dessus, il faut bien se mettre dans la tête, et ça on le sait depuis le début, je dirais, la découverte des effets des rayonnements ionisants. Depuis le début, on sait que plus un organisme biologique est complexe, plus il est fragile. Globalement, plus il est fragile. Mais par rapport aux radiations, alors là, c'est nickel, c'est mathématique. Fragile par rapport à quoi ? Par rapport au rayonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement alpha, bêta, gamma ? C'est de l'énergie énorme qui est dissipée sur un trajet plus ou moins long dans la matière, qui va faire des dégâts dans des cellules vivantes. Moi, je parle pas les cailloux. Les cailloux, ça ne m'intéresse pas. Toutes les espèces vivantes. Et on s'aperçoit que pour réparer, pour arriver à réparer, des réparations qui ne sont pas programmées. On n'a pas de système programmé, nous, pour réparer les dégâts de radioactivité. On a des systèmes programmés pour l'immunité, pour des tas de choses, mais pas. Donc quand il y a des réparations, elles sont spontanées, il n'y a pas de réparation. Plus un système est complexe, plus la réparation est complexe. Et comme il n'y a pas de système de réparation organisé, eh bien, plus le système est complexe, plus il y aura de dégâts. En gros, plus le système cellulaire est simple, vous avez presque ni cellulaire, en gros, s'il y a des cellules qui sont endommagées, il y en a d'autres qui vont pouvoir les remplacer. Bon, il ne faut pas qu'il y en ait trop qui meurent en même temps, sinon... Ça peut... hein? Mais nous, on est dans les espèces vivantes, existantes, le plus complexe, au niveau de la différenciation cellulaire. Donc on est l'espèce vivante la plus fragile. Il faut bien en être conscient. Ce qui veut dire... que quand on regarde l'environnement, et nous sommes une des espèces vivantes de l'environnement, si on doit commencer à s'inquiéter, ou si on veut commencer à s'inquiéter, quand notre environnement sera touché, eh ben nous on ne sera plus là, plus longtemps. Hein. Donc il ne faut pas attendre après ces études-là, il faut les faire, ces études, c'est intéressant, mais il ne faut pas attendre après ces études, et les interpréter pour dire... Le jour où l'environnement sera réellement marqué par la radioactivité et par ses effets, nous, on ne sera plus là pour le voir. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc
C'est pour ça qu'il faut décrypter ces discours, ces mensongers. Et je peux vous dire que ça ne s'est pas par hasard, si ça sort en ce moment, tout ça, on va arriver aux 30 ans de Tchernobyl, et évidemment, il y a des gens qui préparent les contre-feux. On est en train de réhabiliter la mémoire du professeur Pellerin. On est en train de réécrire l'histoire. Alors, à nous d'être vigilants, hein. Dans les mois qui vont venir, je peux vous dire que ça va monter. La désinformation va grimper. Hein. Nous, on essaye de se mettre en ordre de bataille, mais je ne sais pas si on y arrivera. Hein. Pourriez-vous juste encore nous dire un mot sur l'ionisation alimentaire? Ah, des fins de conservation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des... Je veux bien en parler, est-ce qu'il y a des trucs sur Tchernobyl ou sur... On y viendra après, si j'oublie, vous me rappelez. Vous avez presque répondu, mais j'espère que vous avez tout mis, je ne sais pas. Je me demandais si la vie pour n'est pas quand même capable de s'adapter au point de peut-être intégrer. C'est ce qui est sous-entendu dans le reportage, le documentaire. Est-ce que l'homme est capable de s'adapter? Alors, je vous dirai mon point de vue personnel, mais je ne peux pas le développer complètement, je n'en sais rien. Je sais que l'homme a dû s'adapter, entre guillemets, à notre environnement naturel qui est radioactif depuis l'origine de la Terre. Alors, on peut l'analyser de deux manières. Je ne prétends pas détenir la vérité. La Terre a été extrêmement radioactive, c'était il y a 4,5 milliards d'années. Il était inimaginable une vie sur Terre à cette époque-là. Il a fallu des milliards d'années pour que la vie commence à apparaître. Et la vie est apparue sous forme d'une forme extrêmement simple, d'abord, et dans l'eau. Tiens, c'est intéressant. Forme de bactéries, je ne sais quoi. Et dans l'eau. Pourquoi l'eau? Pourquoi simple? Parce qu'on a commencé par des êtres organisés simples, parce qu'ils résistaient mieux aux radiations. Et dans l'eau, parce que c'est un milieu protecteur des radiations. Puis, petit à petit, la vie est sortie de l'eau, elle est venue sur Terre. Et puis, petit à petit, on s'est complexifié. Et nous, on est l'être le plus complexe. Alors, on peut se dire, est-ce que l'homme est capable de s'adapter? C'est ce qu'aimerait bien, et ce que prétendent, mais sans démonstration, un certain nombre de gens. Or, on n'a jamais trouvé d'adaptation de l'homme, parce que notre corps est complètement démuni devant l'énergie mise en jeu dans les radiations. On est très très loin de la vie, là. La vie, c'est quoi? La vie, ça se joue à des niveaux d'énergie qui sont de l'ordre d'un électron. C'est des niveaux extrêmement bas. C'est quoi la vie? C'est la photosynthèse, par exemple. C'est quelques électrons. Une radiation ou un rayonnement gamma, une radiation alpha-bêta, c'est des centaines de milliers d'électrons. Alors, quand on dit qu'on pourrait s'adapter, je dirais qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Comment voulez-vous que la vie puisse raisonner avec des... Je ne sais pas, c'est pas raisonner, mais c'est fonctionner avec des niveaux d'énergie qui sont des centaines de milliers d'électrons-volts. C'est les énergies qui sont dans le Soleil, dans les rayonnements cosmiques, avec des niveaux d'énergie de la vie. La vie, ça se joue à quelques électrons-volts. C'est les liaisons carbone-carbone, c'est les ionisations d'atomes, etc. Ça se joue à ce niveau-là. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas dire qu'on s'adapte. Et alors, là où les scientifiques, parce qu'il y a des vrais truands chez les scientifiques, ils sont allés très loin parce que ça leur faisait plaisir de dire qu'à faible dose, les radiations étaient bonnes pour la santé. Pourquoi elles étaient bonnes pour la santé? Parce que, en gros, si vous recevez des radiations à faible dose, que celles qu'on reçoit dans notre environnement quotidien,
eh bien, on s'immunise contre l'éradiation. En gros, c'est de la vaccination. Certains ont même poussé jusqu'à l'homéopathie. Oui. On soigne le mal par le mal. On lui a même donné un nom en France. Ça s'appelle l'hormésis. Hormésis, H-O-R-M-E-S-I-S. Allez chercher sur Internet, vous allez trouver des publications françaises, Académie des sciences, médecine, etc., qui prétendent. Vous savez, dans la courbe que j'ai donnée tout à l'heure, dose, effet, zéro dose, zéro effet, tout le monde est d'accord là-dessus. Et quand vous regardez M. Orango, par exemple, le responsable de la médecine nucléaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais qui est en même temps administrateur à EDF, je ne sais pas pourquoi. Ce monsieur Orango, dans ses cours qu'il fait à la fac, je ne sais plus laquelle, dans les cours qu'il fait, il présente cette courbe. Ah, c'est dommage, mais vous avez, vous voyez, la relation linéaire. Ben lui, il passe en dessous et il remonte. En dessous. C'est quoi ça? Ça veut dire que, à des petites doses, l'effet est positif, pas négatif. Alors je ne dirais pas que ça crée des êtres humains, mais c'est un effet bénéfique. On ne sait pas quoi, mais c'est un effet bénéfique. Bon. Ça veut dire qu'on a imaginé ça. Ça n'a jamais été démontré. Et nos cellules, elles ont un comportement extrêmement bizarre par rapport aux radiations. À une époque, on imaginait que les cellules allaient se défendre par rapport aux radiations, qu'elles allaient apprendre des choses avec les radiations, pour résister. Mais comment voulez-vous résister quand vous, votre niveau de fonctionnement, d'énergie que vous pouvez développer, c'est un électrovolt, on vous balance 100 000 électrovolts dans la gueule. Je ne vois pas comment vous pouvez faire, honnêtement. Hein? Bon, donc, ça ne tient pas la route. Mais en plus, cette prétendue défense de l'organisme, elle est complètement mise en échec, je dirais, par toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis. Le radon, le gaz radioactif d'origine naturelle, c'est de la nature-nature, ça. Hein? On ne peut pas faire plus naturel que le radon. Le jour où on pensait que c'était inoffensif, évidemment, puisque, on le pense encore d'ailleurs, puisqu'on le faisait sniffer le radon. Vous pouvez aller encore en Autriche, dans une station thermale, à Bad Gadenstein, et vous emménagez des tunnels dans la montagne, et on vous fait sniffer du radon. C'est sérieux, madame? Il faut même payer pour y aller. Et il n'y a pas si longtemps, l'eau de Bussan se vendait, je me disais sa mention au radioactive. C'est un argument commercial. D'accord, mais ça, bon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des colons. On sait que c'est criminel. Bon. Donc, on l'a pensé, bon, on a fait des conneries, ben oui, d'accord, mais il faut quand même s'en sortir à un moment donné, et que ces hypothèses-là, que la radioactivité pouvait guérir, bon, ben ça date il y a plus de 100 ans, hein. Ça date il y a plus de 100 ans, désolé. Hein. Alors, moi je ne pense pas que l'homme puisse s'adapter, et pourtant c'est ce qui ressort du documentaire, j'ai vu juste un extrait, en disant, ben, l'homme s'adapte. Non, je suis désolé, qu'on puisse s'adapter à beaucoup de choses, mais certainement pas à celle-là. Celle-là, on sera obligé de subir. Jusqu'au bout. C'est pas nous qui aurons le dernier mot. Hein. C'est pour ça que ça pose problème, là. Alors là, on est plus dans un côté philosophique, je veux dire, presque religieux. Mais, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et il ne faut pas oublier non plus que la découverte de la radioactivité, il y a donc un siècle et quelques, a été associée dès le départ à un côté religieux. Le mot radiation, il vient des personnages radieux. C'était qui les personnages radieux? C'était dans les églises. Il y avait les initiés, vous voyez les radiations. Et ils étaient évidemment du côté des élus.
bien. Et puis il y avait les pots, ils ne voyaient rien. Nous, on ne voit rien, nous, on est des irrationnels. Eux, ils étaient du rationnel, etc. On nous a vraiment enfermés dans cette idée qu'il y avait un côté rationnel, scientifique, etc. Et puis les autres. Donc, ils sont contre, etc. Et c'est pour ça qu'en France, on est dans un monde particulier par rapport à la radioactivité nucléaire, où on nous a enfermés, les gens qui se posent des questions, les bonnes questions, hein, dans un statut d'ignorant. On va vous expliquer, après on va vous convaincre. Hein. Hein, vous l'avez entendu, ça. Et c'est pour ça que le débat, le vrai débat en France, qui est un débat de société, c'est même pas un débat scientifique, c'est un débat de société, on l'a jamais eu. Donc, vous avez expliqué qu'il y avait beaucoup de silence autour de cette question de radiation, de nucléaire, etc. Je voulais savoir s'il y a des tests qui étaient effectués autour des centrales nucléaires, parce que j'ai une analyse en tête d'un labo allemand à Mainz, avec 30 ans de recul. Bon, ils sont vraiment indépendants, donc ils ont prouvé dans un périmètre de 50 à 100 km. Les enfants et aussi les adultes avaient 3, 4, 5, 6 fois plus de cancer que la moyenne. En France, je n'en ai jamais entendu d'une telle analyse, de tels examens à la télé, dans n'importe quel journal. On voit ces chiffres-là et peut-être, je ne les connais pas, mais est-ce qu'il y a des analyses indépendantes qui sont menées et qui alertent un peu le public sur ce danger-là? Il n'y a même pas besoin d'études indépendantes, c'est parti des Anglais, ça. C'est parti autour de Sellafield dans les années 90, à Sellafield, où ils ont vu un doublement des leucémies de l'enfant, qui sont des leucémies très, très probablement radio-induites, donc dues aux radiations, alors que les leucémies des vieux, ce qu'on appelle les leucémies lymphoïdes chroniques, elles ne sont pas radio-induites. Les leucémies myéloïdes de l'enfant, elles sont radio-induites, à 90-95% de chance. Donc, les Anglais mettent en évidence, autour de Sellafield, un excédent de leucémie de l'enfant, plus qu'un doublement, dans un rayon de 5 km. 10 km. Évidemment, du côté anglais, comme partout, le lobby nucléaire est présent, et il a essayé d'étouffer l'affaire en disant « on va chercher dans toutes les directions », et ils ont cherché dans toutes les directions pour trouver une raison autre que la radioactivité. Alors, ils ont invoqué tous les arguments. Des microbes, des virus méchants dans la région qui auraient séduit. Je sais pas, le problème est que les gens aient déménagé, vous voyez, les temps.